Voilà, madame, mademoiselles et messieurs, amis de la culture, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour notre première émission. C'est la première de la série, puisque je vais faire une vingtaine d'émissions, peut-être une quarantaine, d'ici fin décembre. Presque tous les 2 jours, je recevrai un invité, un musicien, un mélomane, pour parler de la rumba, pour la simple raison, vous le savez, que bientôt, si tout va bien, en tout cas on est optimiste, la rumba remplit toutes les conditions pour qu'elle soit inscrite dans la liste des patrimoines immatériels de l'UNESCO. Le rendez-vous est pris pour le mois de décembre prochain, donc dans 2 mois, 3 mois, ça sera décidé, la rumba sera dans l'UNESCO comme patrimoine immatériel. Alors pour ce faire, je vais recevoir des musiciens, des gens qui côtoient les musiciens, les gens qui sont tout autour de la rumba, pour nous raconter la rumba, pour qu'on parle de la rumba et surtout qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire après l'adhésion sur cette liste tant attendue par le mélomane et surtout eux-mêmes les musiciens. Et ce soir, je reçois Boumba Massa, que beaucoup peut-être ne connaîtront pas de ma génération. Ceux qui sont cultivés le sauront. Boumba Massa, c'est un ancien de l'Ovidi Zaïre. Il est passé par l'Oké Jazz. Il avait son propre groupe aussi, qu'il appelait Mass Media. Il est allé, en tout cas, évoluer du côté de l'Afrique de l'Ouest. Mais la dernière fois qu'on l'a retrouvé, c'était ici à Paris, dans l'orchestre Kekele, avec Cyrian Benza, avec Loco Masengo, Niboma et Routamaï. Ils ont formé un groupe qui a marché très fort, mais depuis un moment, ça s'est essoufflé. Il va nous expliquer un peu. Mais c'est le souhait de tous de voir un orchestre renaître, pourquoi pas, avec l'adhésion de la rumba à l'UNESCO. Ça sera une bonne chose qu'un groupe déjà bien structuré, comme il était, accompagne la rumba pour son entrée dans l'UNESCO. Enfin, cette fois-ci, il faut qu'on fasse des grandes choses. Voilà pourquoi je vais recevoir les spécialistes, les connaisseurs et ceux qui connaissent la rumba, tous ceux qui vivent du côté de la rumba. Ce soir, c'est Boumba Massa. Bonsoir, Boumba Massa. Bonsoir. En tout cas, viens, on a préféré tout ça, émission à Lingala. Te expliquer, Batou. Rumba, bientôt, Zokotana, UNESCO. Yoyoka Kisangwango, quand? Pays Sarakyondegin. Nayoka Kisangoana na. En 2018, Moutaïb Senghango, Bertrand Lavène, Azali écrivain et journaliste français. D'ailleurs, c'est lui, Moutaïb dédié qui dernier album Nangaï. Il y a eu par nouvelle on a pu attendre qu'à moi extrait où il y a Azali Nango pour la candidature et Abisso. Et à l'UNESCO. Donc, Nayoka Kisango et Pina Sepelaki. Alors, Koko à l'UNESCO, c'est bien. Les plus difficiles et Ozala après. On va en parler vers la fin de l'émission. Mais Nanga qui d'abord, eh? Banana Bissou à Lelo, Nabatou à Kala, Bayebi, mais Bayebi, trajectoire Nayote. Ce truc qu'on va rapidement, trajectoire Nayote. Yo, Oyebi Rumbakan. Oye barumba, oye bien haut, n'agis. En tout cas, naibi rumba na age ni na si na dans les années 50 déjà, hein, parce que donc dans les années 50 na qui déjà n'a pas 12 ans. Par là et naibaki rumba nazo yoka rumba nazo yoka ba franco loke jazz nazo yoka African jazz mais pas seulement parce que nazo yoka musique cubaine nazo yoka ba sonora matancera nazo yoka et voilà après dans les années 60 nazo yoka ba bantou de la capitale ba. Et voilà, et puis bon, qu'est-ce que c'est comme que bien que ça? Tingaï Moko en 1963, na épée que Banda, musique.
Donc, Naïbirumba Bandakara déjà. En tout cas, dans 63, Bandi dans le groupe Nini. Dans 63, tu as une musique, Ngaï, Bafo Marimari, Mpompolo Wai, et Zozo Amba, le chanteur. Zozo est à Bougarbe. Non, Zozo, le chanteur, il y a un gros succès. Il y a un gros succès, oui. Voilà. Owana Yozoloba, José. Jojo Bukasa, et voilà, Monsieur Bogart, Monsieur Bogart, Agipé Chef Nangai, et voilà, c'est comme ça que. Donc, il y a un côté avant Marie-Marie. Le même jour. Ah bon? Là, Michel et Pompolo. Voilà. Le même jour, parce que tu es dans le quartier, tu es dans la répétition. Il y a un Ngai na banalia, biso za bana kasau. Banalia. Voilà. Ouais, baba avant na bosobolo. Bavon bosobolo, mais toujours qu'on répétait na lokandu, na barabala ba sokivango. Sokivango, ouais. Voilà. Donc mais na le rent toujours tanga. Tu as gagné classe. Mais tu s'intéressais à la musique, mais finalement tu bani ko répéter tu moni que mais autre zo ça tu occupé ko beta musique na bar. Voilà, on a pas fait beta guitare déjà, mais bien sûr puisque tu zo répéter azo beta beta guitare. Donc mais et kende ki mbangu na 1962 à l'époque chaque grande vacance il faut papa il faut attendre bana na maman ba ken mboka vacances. Et on a ngana le bari Congo parce que bari Congo ngana le vacances il y a vacances même ba bavon même franco. Donc il y a qui ba vacances de faire aucun de oui parce que puis ça bana Kinshasa. Mais chaque grande vacances il faut ken mboka pendant 2 mois na maman. Donc, en 1962, il y a eu des vacances où on a Franco a eu un master à Bavon. Et cette fois-là, Bavon a mis une guitare dans Mboka. Donc, tu as eu une guitare, alors tu as eu un boucan, tu as eu un boucan, tu as eu un boucan. Beaucoup. National Bata. Voilà. Donc, c'est par là, tant aux vacances ici, tes zones qui ça. Ah, tu dis, mais il faut te continuer quand même, il faut te mettre la musique. Alors, tu vois, tu as un grand frère, Moko, qui est dans le Kandu. Il y a déjà Mukolo, il y a des trafiquants. Trafiquants, c'est-à-dire, à l'époque, on les appelait des trafiquants, au Kenebraza, au Somba, Bilamba, au Yakote, au Nassarma, au Congo, tout ça. Donc, il y a des gens qui ont moyen, avec la logistique, tout ça, répéter. Après, tout ça, bien sûr, na Chibango. Chibango, na Bandal. Na Bandal. Tout ça, c'est Betawana. Mais tout me l'a gâté, je pense que peut-être même pas un mois. Quoi? Et François, il y a que Bavon a fait la musique. Alors, un jour, je suis allé à la porte de la concert. Papa, tu vas à l'inhibition de l'école. Et puis, il y a un lit à Franco, Bavon a fait la musique. Bon, Franco, il y a qui? Abibino boza bana classe botangaka botanga le boya esuswa wate bo beta conseil na bina suka ce que bo petite na futi bino mbongo na bino boke parce que Franco va ki ya ko leka na camion ba militaire po ya ko zabino ce que be beaucoup tibie écoute bino a bozo beta musique. Donc papa, tu vas en avoir bon. Ce que vous pouvez te conseiller à venir à Souka, on a plus une bonne habitude à Boké. Après, Toké. Mais je me rappelle toujours au concert où on a Bavan Zobet en ciment pluie.
Ah oui, parce que tu vois, on a vu que Franco a collé à Royan un militaire. Voilà, donc, la bande d'Angéon. Après, dans le Bétina Bavon, comment orchestre est-ce que c'est composé? Cubana Jazz. Ah, Cubana Jazz. Pourquoi Cubana Jazz? Jusqu'à présent, je crois que le Talibal Bom Nangana, ça a toujours. Basalsa. C'est parce que ngam on appelle ça combo wana. Parce que tendance na biso zaki wana. À l'époque bantou de la capitale azo betaka musique wana. Ba cha 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 bani tout ça. Alors succès moko incroyable. Bavon une chose na koyib sa yo que Bavon tant a bandu ko beta guitare a s'inspiré qu'un grand frère né Franco Tin. Bavon s'est inspiré de Papa Noël. Ah oui. Donc Franco et Bavon a s'inspiré qu'un Papa Noël. Donc ce cas zo ko improvisé ba cha 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 wana. Ndenge Papa Noël a zo sa na bantu mais lui Papa Noël a za wana. Ah ouais. Donc Papa Noël c'était un grand soliste en temps. Ah oui. Parmi les grands solistes. Ah d'accord. Papa Noël, okay. Franco Nico, Papa Noël, et puis les autres. Ma Pépé Félix, tout ça quoi. Oui, après. Oui. Ah bon. Ouais, mon histoire, c'est nécessaire. Papa Noël, tu es bien à Papa Noël, hein. Mais on ne connaît pas cette réputation, il y a un grand soliste. Un grand guitariste. Ah d'accord. Ah, oui. Alors, Tango Bolongwe, na Kubana. Tant que nous pas tu bango, bon, tu vu tu colandera la musique, hein, tout ça ni. Bon, vieux on a le voir boy, visso ça la musique. Et occasion mauvaise se présenter, tout que na ba Congo, na qui sent na Congo dit tout. Et là, ça n'a pas duré aussi. Parce que maman Franco, Sirikina Franco a vu moi nanga Kimi pour yozo pixa beta musique. Donc Franco a sali tout pour Bafo Azong na Kinshasa. Donc Bafo Azong, Franco a vu au lingo sa ka musique a vu au lingo bon. Tous en répétition na place rouge avec ex Congo Bar. Parce que Zaki Ogu Jazz a joué à moi. Voilà, dans la commune. Dans la zone de Kinshasa. Donc, avant qu'il y ait une répétition, Ogu Jazz nous fait vendre. Maintenant, il faut passer le test. Avant, ça la test. Pourquoi tu as la. Ah, ça la test. Donc, monsieur, tout est Ogu Jazz, parce que ça, François, tu es bon, tu es à Ogu Jazz. Abi zwani na bala mbongo zwani na bala mbongo zwani na bala mbongo eh bani ko beta beti basebe nze munini o ngai mari siko bava lokula ya ki makasi na ko profession ya bashashasha aye bisi bavie brazo sur ko ya ki na guitar apese bango partition moko ya shashasha babani ko beta ya improviser. Alors, tant qu'on improvisait le gars Papa Noël, ok jazz mon bimba bagangi, Papa Noël, Papa. Alors que Bavon monte avec la guitare. Donc c'est là que Franco Monaïque non, le fanatique a ça la musique parce que tel qu'a joué ta guitare, voilà c'est comme ça. Et après Franco a aussi a vu bon. Au côté de la jazz, nous avons un instrument, Yona Bolen, Bossala, Negro Succès. Bossala, Negro Succès. Non, non, Bossala, Negro Succès. Ah donc, Negro Succès et Botamina Neni. Negro Succès et Botami. Negro Succès au Bavon à Beta et à Naba 63. Mais Negro Succès au Yuzo Kloba, ils ont déjà wana ya Viki Longomba. Voilà. Donc, à Sundora, na yelo. Hein? À Tikar, na yango. Mais parce que Viki était dans l'Ogu Jazz après.
amasiko yo tango franco alobi na bolen bazwa ok jazz bazwa negro succès yé na bolen ya zung si orchestre sango non negro succès kufaki ezagi soudé voilà Viki Longomba a zongé na ok jazz parce que Viki Longomba a créé un negro succès le oh ya liboso to soloba Viki Longomba sa negro succès a agi comme soliste bolen bon maintenant après Koufi Viki a zongé na ok jazz kobo sanate que Viki fit le vrai fondateur de l'ok jazz hein? Viki Longomba et pourtant il n'était pas là au début. Il était toujours là, en 56, il était là. Il est venu après. Eh bien, il était là. Et c'est lui le président, d'ailleurs, de l'Oké Jazz. Hein? Mm-hmm. Viki Longomba est président de l'Oké Jazz. Si il y a le roi, Koufa, le roi, Franco, Koufa, Azok Benga, président. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Et Franco a évité Bavon, quand on a l'Oké Jazz, maintenant, on peut faire un instrument, il y a un bolène pour ça, au jazz. C'est le négro succès, oui, ça là. Il y a un bolène. Voilà. Et là, entre-temps, toi, tu es où? Alors, entre-temps, je suis en Banzangung, où actuel Tisville. Et l'orchestre, je suis en Obetakuna. Bon, l'orchestre, on peut y avoir un grand frère. Nanga. Mon grand frère, Faustin. Camarade ya Franco ya Bumwana ngai na ki camarade Bavon ya Bumwana donc c'est bon le quoi ça batamboko moko voilà c'est ce qui s'est passé après ngana zongi na Kinshasa na 65 na yibona ki notala Bavon on a évité que negro succès salami hein parce que kala ki na 18 non, on n'accueille pas la mère, on a vu, mais on a écouté la mère, et Bavon, la mère a vu en haut, Bavon a été sur la terre, on a limité qu'on n'est pas Yana. La mère a indiqué, on n'accueille pas Bavon, tout ça, on a Bavon, tout ça. Bon, a vu, on a eu un concert à Yarotala. Mais c'est vrai que quand on a eu un concert à Negro Succès, l'air on a. Les Rona 1, 2, 3, Ezalaka, Engels, non, après Ezalaki, Zekabar. Non, Ezalaka, Zeka. Oui, Zeka. Les Rona, Esika 1, 2, 3, et comment Ezalaki, Zekabar. Donc, on va mettre en Ake. Alors, on a Monique, vraiment, Moninga a commis plus haut, quoi. Un gros succès. Voilà. Plein. Mm. Alors, après, yo. Depuis que vous avez na Bavon. Ok, Bazangou, ou après, quand tu reviens, au moins il y a un négocié, mais toi en temps, tu fais quoi? Je dis que je dois continuer. Bon, l'orchestre est dans le quartier, dans le Kassavou, il y a Jamel. Jamel Jazz. Ils ont un succès. Il y a Papa Kabango. Il y a Bana Kabango. Voilà, oui. Papa Kabango, c'était notre papa, c'est pas on pouvait pas jouer avec lui, c'est pas lui. Donc Bakabango. Donc ma grand frère, il y a Pauline Kabango, il y a journaliste, il y a la voix de ça. Donc nake kuna nake sollicité et Bazunga. De toute façon, parce que déjà, comment dirais-je, comboté, mais il y a un timbre à voix, il y a bien pour. Voilà, pour la voyage. Donc, d'un côté, il y a Jamel. Jamel, tout ça, le voyage. Je pense, tant on a côté, 5 mois après, tout ça, le voyage, tout ça, Mbujimal. Toke Lubumbashi. Na retour, ngana s'est détaché, na tika na Mujimai. Après, na yé na Kinshasa. Bon alors, rapidement, viens. Tokobi na des années 70. Otikala, okomaka na Lovi d'Isaïe.
après 70. Oui, ça c'est après. Hein. Après. Parce qu'après, dans la zone Kinshasa, on a continué à Congo succès. Ah, Congo a succès. Congo a succès avec un Bokelo. Bokelo, oui. Et on a sali au moins 2 ans dans Congo a succès. Après, on a qu'une bah, dissident et un négro succès, Basalagi Super Negro et Panzani. Président Jonas Mukamba, bah, nommé gouverneur Nambandaka, a monté l'orchestre. Je faisais partie à l'orchestre Rwanda, d'où avec Jojo, le Bogard, M. Bogard, Oyo, Ozokolobawana. Uh-huh. Donc Ngaï, Flambi, Jojo comme chanteur, et puis Diki, Leketino Barosa. Et puis, ah, Diki avec Manabino. Voilà, Jackie, l'accompagnateur de Bantu de la capitale, donc on a Mbandaka. Alors on a Mbandaka, on a tout ça, les boucans, et puis ok, c'est outil dans Kisasa, uh-huh. Tout ça. Mukamba, du type de bar, Nene, tout ça, donc on peut être tous les jours. Mais pendant ce temps, Bokelo a tenté un télégramme, mais il n'y a pas de son instrument. Il faut une zone parce que, il y a une salle d'orchestre, il faut qu'il y ait une salle. Il faut une zone qui s'assure. Oh là là. Donc, na kima yé ko kima. Kimi mbandaka zonki. Na kimi mbandaka. Bato moko e yaka, parce que bato yé zokuma na mbandaka un dimanche soir. Soir wana dimanche wana tu as un concert et après-midi et ngana kené concert wana te parce que il faut na kima na kené na kota na batu na zonga, c'est ce qui s'est passé na ke na kima na ba, mais Mukamba tinda quand même ba soda ba ko luka batu et heureusement chance na kené ngo et dans le côté na bateau na côté na mutu moko na monaki azaki batelier na ebaki na expliquer situation nanga atinga na cabine na yena bomba mauni donc tant ba policier ou ba soldat ba yé pona kolukanga nazo quand même ba bot na bango ke bazole kawana menga na bomba na cabine ti na zone Kinshasa. Kinshasa, dans la zone, tu es au salaire Congo 68. Toujours avec Bokelo. Avec Bokelo. Alors, tu es au Misanzembo et Tambouan au Mokili. Alors, succès Mokof. Tambouan au Mokili, après Tambouan au Mokili. Mais c'est vrai que, à l'époque, on avait trop sollicité pour mettre dans l'orchestre. Et puis, il y a eu Longwa. Et puis, il y a eu l'orchestre Carousel. Carousel. Voilà. Carousel. Après. Donc, l'Ovid de Zaïre après. Alors, l'Ovid de Zaïre, Franco, Vicky Longomba, à Longwa, dans l'Ovid de Zaïre. En 1971. 71, à Longo na Oge Jazz. À Lingi Chugo, il a monté l'orchestre na Yemo. D'où a eu ça la Lofi de Zahir, à Benginga pour na intégrer Lofi de Zahir. Puisque tu es déjà à Benginga, tant on a ça, carousel, il y a un parrain et orchestre et tout. Donc, voilà. Lofi de Zahir, 72. Au fond, la 72 au Longwe. 73, je pense. 73, c'est resté une année. Kaka. Voilà. Ouais. Mais on a la particularité, mon coup, au fond, dans l'orchestre était, en fait. Oui, c'est vrai que. On a raison. Mais parce que. Oui, depuis la musique, l'orchestre, quand on a sollicité, il n'y a jamais.
Oui, il y a un peu sollicité. Mais nous, sur Etikali, nous avons trop sollicité. Donc, des fois, je faisais le choix, est-ce que Yango et Yango te, mais Bayo Lukanga, Nazo Mona, mais Bayo Lukanga, il faut n'akende. Et tu vois, donc c'était ça. D'après l'Ovi d'Isaïr, au cœur. Après l'Ovi d'Isaïr, Bayo Zanga dans l'orchestre Massano na Brazzaville. Massano. Ouais. À l'époque, il y avait Bantu, Trio, Tsepakos, et puis l'orchestre Massano. Nakena. Massano, tous les autres fainéants. Alors, ça, la boucan, il y a au Sakanate. Nakamadi Solis, Namemi, Jean-Louis Solis, surtout avec la vie d'Isaïre, Nakena Heguna. Ah, mais ça, la boucan. Donc, la vendu, mais la Oumelagete, je pense, c'est 6 mois. Après, la zone de Kinshasa. Dans la zone de Kinshasa, je suis un peu plus cher que moi. Franco a vu aucun limite. Aucun limite. Franco a vu un peu bon. Il y a eu un peu de jazz. Voilà. Quelle année? 76. Il y a eu un peu de jazz au Koutiba Yulu, Bajoski, Tamay. Bandombe, Bambavatibé, tout le monde. Voilà. Au fin de combien de temps dans le hockey jazz? Une année. Une année au Longwe. Dans le Longwe. Et tant on a le Longwe, on a vu sur quoi on a orbité sur la musique dans l'orchestre. Il faut mener une carrière solo. Et voilà, on a bandi ça dans l'enregistrement et on a mon personnel. Donc on a bandi carrière solo. Na 78. Tilelo. Tilelo. On l'équipe par Afrique. On l'équipe par Afrique. Ah, mais na carrière solo, na tamboli penza, donc tiba poto. Oui, naïvi ba naïe baki ba musicien au que jazz. Ba longwa qui même na au que jazz parce que ba ni bazarwa bu mamas. Oh, c'est-à-dire. C'est-à-dire que ce qui partout va bête va bête na bidja va mona ngana zakawana va bête ce qui na Lomé va mona ngana za va bête na Paris va mona ngana za va bête na Bruxelles va mona ba mais mutu aza bien alors hein il faut bisofe de longwa na ok jazz pour tout ça la ninge ya saraga mais c'est vrai que ba interpellanga na ibsa onga habitala oyebi kozwa indépendance César tant sou facile. Mais le problème, c'est qu'il y a que gérer l'indépendance. Et na mona roi balongwa bazonga na okjazz. Donc mingai na longwa na okjazz na 77 tilelo. Nazaka andenga na bona. Okoka kambien soana avec tous ces artistes musiciens. Bantesa ba. Ntesa d'alliance to bandanga na yemukolo moko. Tang francoise une tesa azupenga. Ah, beaucoup de temps ensemble. Tu bandes mon colombo. Donc, bah, programme a sorti en Ganaïe le même jour. Ah, d'accord. Nain de tout. L'ambiance, ouais. Tu l'as supporté. Ah oui. Bon, l'ambiance, il faut supporter. À l'époque, on était 45 musiciens. Parce qu'il y avait deux groupes. Groupe A et groupe B. Ben, il faut supporter. Donc, 45 musiciens. Ah oui. Puisqu'il y avait deux groupes. Hein. Ah ouais. Donc voilà, après ben Nakendeki et puis même Franco a étonné que na longwagi. Mais tant on a que na yo bandagosa enregistrement na personnel. Et c'est là que Franco avait senti quelque chose. Voilà. D'accord. Alors, vers les années 77, 78, 79, au sein de l'enregistrement avec ces groupes qui appelaient Mass Media, voilà. On écoutait déjà John Boy. Voilà. C'était ton ami, John Boy. Ce n'était pas mon ami, mais un collègue. Pourquoi John Boy? À l'époque, bon, John Boy, tu as dit qu'il y a eu dans l'Ovi d'Isaïe.
Dans 73 72. Tu bandage na yé na 72. Mais Dion pour à l'époque azoyé mba ba variété musique mindele. Aïe, il y a un barum batté. Mais tu as un peu de d'accord. Donc, si tu as un temps dans la longue, dans le premier enregistrement, tu as initié un peu de temps. Un album dans le bandit. Et voilà, un peu a participé qui est le gars bien. Alors, un peu a qui. Ok, jazz, beaucoup d'années, toi tu es déjà parti. Non. Oui. Afrique de l'Ouest, où il y a Poto. Après, en 78, j'ai eu une invitation moko à Boane. Boane, c'est le parrain de la rumba congolaise. Boane, Wendo et tout ça, à Douélenga. Donc, à l'époque, Boane a joué à Lomé, à Togo. À Tindenga Mutu, Abi a formé un groupe à Kenangu, à Togo. Bon, j'étais d'accord. Il y avait aussi un homme d'affaires d'Angolais, Petrus. Il a écouté une mission. Il a dit qu'il n'y a pas d'accord. Il faut 6 musiciens. Donc, on a eu des musiciens, notamment Siran Benza et Bopol. Bopol Mantiamina, Portos, Zoé, le batteur qui était chez Rochero. Après, tu as Lomé. Tu as eu Lomé, tu as eu un bêta, tu as eu 3 mois. Tu as eu un Bamususu, ba panzani kuna yomoka yivu makama musicien bon. Sambangwa na yoko zwa Siran, zwi Bopol, zwi Pablo, ba saliban retreatment, ba yena Porto, tout ça. Ngana zo Kinshasa. 78, 80-81, producteur moko azova na Abidjan, Abengisinga. Donc, dans la zone en 81, je suis allé en Afrique de l'Ouest. Je suis allé dans la salle de Banresse, et puis je suis installé dans Lomé. D'accord. De 81 jusqu'à 84. D'accord. 84, où est Poto? Bon, déjà en 83, je suis allé à Poto. Un jour, il y a 83, je suis allé à Lomé. Mutumoka yego mona ngana nda kwa rubi que producteur moko outi France azan hotel azan a besoin ayo parce que entre temps la sala ginzembo segal bon moko et l'argent de la femme donc qui s'est bien vanté à France na sala ki ango na producteur nanga na Abidjan disco stock. Et producteur, on a su que na Lomé, producteur, on a une Silar production. Donc, Silar est là, tout le monde a dit, on a France, tout ça, je vais faire un album avec toi, tout ça. On a dit d'accord, donc on a eu en 83, et puis on a salué mon restaurant. Ah, d'accord. Alors, viens, tu as besoin qui a perçu. Et rapidement, il y a carrière Nayo. Mais moi, je veux qu'on parle de la rumba. Tu vas célébrer rumba bientôt. Et l'on écoute à la UNESCO. Rumba, et Bersebino, et Salibino, Nandenge, Bokomi, Lelo, Batuminene. Alors, viens, moi, je vais te dire, qu'est-ce qu'il y a, quels sont les événements qui t'ont plus marqué dans l'histoire à rumba? Qu'est-ce que tu retiens de plus important? Ben, le plus important, c'est la rumba. Qui est la rumba elle-même? Parce qu'elle existe. Voilà, ça c'est le plus important. Et rumba, il y a une histoire. Rumba,
parmi le secteur nyonso tout na mboka nos richesses et tout ça. Parce que la rumba aussi, c'est une richesse nationale. Hein. Rumba et ça la faillite. Depuis que la rumba existe, faillite. Tilelo, rumba zaka. Mais dans les autres secteurs, il y a des failles quand même. Hein. Voilà. Donc, c'est une fierté. Que tu as une rumba. Vraiment, il faut que ce artiste soit la fière. Parce que nous avons notre musique qui s'appelle la rumba congolaise. Mais j'ai connu des pays, par exemple en Afrique, dans ces années-là, 70-80 et tout ça, au na Kenda, bah, il y a une musique qui était. Tu vas par exemple à Lomé, tu vois un orchestre qui joue, mais qui interprète des chansons congolaises. Même en Côte d'Ivoire, à l'époque, parce qu'il y a une musique qui était. Mais Bissot, il faut que tu sois fier parce que tu as une musique et puis il y a une moderne. En tout cas. Alors si moi je te dis aujourd'hui, Grand Calais, Kabassé le Tchamala. Alors Grand Calais. Un jour, n'aké pas Franco, comme d'habitude, j'étais souvent avec lui. Franco est un grand maître. Mais grand maître Pendez Ali Kale, ça c'est Franco qui me l'a dit. Ah bon? Il a dit que le vrai grand maître pour lui, c'était Kale. Pourquoi il a dit ça? Ah, mais parce que c'est la réponse à ta question. Parce que quand tu me dis pour moi c'est quoi Calais, mais pour Franco c'était quoi Calais. Donc Azaki, ce qui arrive que Azaki grand maître, c'est que Azaki n'a niveau moins repoussé dans la musique congolaise, dans la rumba congolaise. Azalaki créateur, Azalaki maître aussi. Tu l'as côtoyé? Tu l'as... Oh, non, je ne l'ai pas côtoyé. Oh, Pessa et Mbotete, toi, sur le voile. Non. Oebi. Oebi. Kale n'a koyokaye, banze monaye, n'a côtoyé été. C'est vrai que même temps, on a collé. Mais au vu qu'African Jazz peut couper calapé, hein. Couper plusieurs fois. Tiens, voilà, et couper peut calapé parce que Ngana Nazala Ngembo et African Jazz était. Mm-hmm. J'étais encore trop jeune. Mais Nazaki Ngembo, Ngana Bavon, tu as que Ngembo il y a African Fiesta. Tant que African Jazz est koufi, basali African Fiesta. Alors là, on est en Ghana Bavon, tu es toujours soit na Petit Bois, soit Petit Bois, il y a qui va puis na camp artisanal. Quand na Kassavu Bois. Na Kassavu Bois. Mm-hmm. C'est Éthiopie, Éthiopie ou Chaba, na côté Ozokende, voilà. Donc toujours là, mais elle est beaucoup impressionnant pour Calais aussi. C'est pourquoi Franco avait raison de dire. Un jour, on a un bavon, si tu as un bavon, tu as un concert. Jamais, bavon, avant, la musique, tu as un gembo et un ok jazz. Jamais. Et ça, le matin. Bon, maintenant, tu vas nous faire un concert, tu vas être jeune. Hein? Tu vas nous faire une musique qui était dans les années 70-63. Bon, un jour, tu as un concert et un African Fiesta dans vis-à-vis. Tu vas dans la bavon. Mais l'air, moko na moni dans
Calais à côté. La musique African Jazz. Non, la musique African Fiesta. Tout le monde était là, Nico, même Kwami, Rochero et tout. Donc, Bazobeta. Malamoko, Mutumoko, Ayego, Yubsa, et pas Nico, Alaki, que Calais a un Libanda. Moi j'observais, hein, nous avec Bavon on observait. Babi que Calais a Libanda. Et puis les gens s'empressaient, va préparer table parce que Calais a Kota. Le monsieur. Le monsieur. Et Calais a Kota na vis-à-vis, avec sa mallette diplomatique, na batuya zalagi na bango, va installer bango. Donc ça c'est du vécu. Hein? Afrique en fait ce bakata musique. Pour Kalakoti. Ah oui. Ah oui. Ah oui? Non, Owana Namona. Bokati musique. Non, African Fiesta, Bakati musique. Kalakoti. Ngana Zalaki client. Nakina Yota la musique. Tu as qui Ngana Bavon, Bissou Mbalega. Mais Bakati musique à côté, c'est là où on a senti Nabi. Moutouana qui est puissant. Tu vois? Donc, Franco, ce qui a le bagne de Ngona, il a raison. Voilà. Aïeba qui est puissant, c'est Naïe aussi. En tout cas. Et quand je dis Franco? Franco? L'homme manquait. Ah, mais c'était l'homme le plus puissant. En fait, Franco. Batumusou va être reproché parce que. Et Franco est puissant, très puissant. Très puissant et surtout. Là, on parle de l'art. Ah oui. Artistiquement. Artistiquement, ah oui. Artistiquement, avec ma case, c'est parce que. Constamment, Moutoumoko à Salaki. Ayebaki Franco, tant que Bazo Bet ta musique na Okebar, donc na 56. Ti Franco Basali Oke Jazz, ti Azaka Kana Oke Jazz. Mais Moutouana comme ça, qui abîme. Comment ça se fait que Moutouana, Banaba, Banda, Okijaz, Tigli, Lazakana, Okijaz, Akende, Paït. Et pourtant, Okijaz, le musée, Bazako Longwa, et Zako Panzana aussi, hein. Mais Franco était toujours là. Et Moutouana a dit, mais Ngapé, Funasar, Ndengwana. Nous avons la Sali Awa, Naza Mukonzi. Il Funasar, Ndenga, Franco, n'a aucun Paït, n'a aucun Paït. Ce que Yozaki style Odemba to African Jazz. Non, bah Odemba ce sont des modes. On est pas mode. Ils allent quoi monter là tes pantalons macolomiqué dans macolomiqué. On est pas mode. Voilà. Mais musique ils allent Odemba, ils allent surprise à Nini, ils allent rond. Mais Yozaki n'a moins tendance. Mais j'ai tendance à faire ça. J'ai tendance à faire jazz. J'ai tendance jazz parce que j'ai tendance à faire et pas ya Bavon. Bavon, c'est ça que toujours dit. Ah, ma vie, ça va la réunion. Parce que Edo Nganga de la Lune. Bazo kuvanda la lupa ngwana ba bavanda. Ah bako fanda. Bako vanda. Tant que bazo banduliste. Franco a na lupango ya père na bango atika atonga kanda kwa munene wana. Me ya vanda wanate. A l'époque Franco vanda na ville. Na Gombe kuna. Donc ce que ba na réunion un dimanche bavan yu sanga ba vie ba sa na réunion. Mais donc toujours qu'il n'est qu'à toujours tel à bangou d'une balade, mais baki batou moko sur mounier. Ben, au vime,
C'était des messieurs. Bah, donc encore. Ah oui, des messieurs. Ma pandi. Mais bah qui bat tout le monde au mais non, c'est pas possible. Enfin, bah Vicky Longomba. Ah oui. Toi, tu l'as même côtoyé. Donc non, le voir pas côté, tu peux pas. Bisozabanamiké. Si Nambi, tu l'as côtoyé après. Voilà, voilà. Donc dans mon âme, tout le monde. Donc c'est messieurs quoi. Tu vois, on a un bavon, si vous avez une réunion, on a une voiture, une portière de Kagame à côté. Alors, je me rappelle toujours d'une chose. Je commence à une réunion, et Verkis a une réunion. Et tant que Verkis est à côté, il y a un bavon dans la chambre, dans la porte. À côté, à côté, il y a un bavon. Bon, ça va. Vers qui ça va venir autour de la vie? Mais bien, vous en avez âge. Tu es bien âgé. Donc, tout ça, bah, âge mon corps. Donc, il y a un bavon qui jazz. On a vu que ça n'a rien, mais il y a vu que Mingana n'a aucun jazz. Mais puisqu'il y a réunion, il y a aucun jazz. Donc voilà. Oui, puis Verkis, ma communauté, on a depuis que ça a jeune pendant que tu as mon sous le bateau. Et ça, on a l'obi Moujos. Ben, Joseph. Moujos, je l'ai connu. Tant à côté de l'Oki Jazz, si tu nous aimes mon arrêté dans l'Oki Jazz, tant à côté de l'Oki Jazz, Anga Caroline, Atamaye à Pamba, Opimeringaï, Lokola Bilei, Maï Masangateo, Maï Nzambe Asala, Opimeringaï, Lokola Bilei. Je reconnais ça parce que maman Lek Nanga vend dans la 20 mains. À l'époque, tu vends dans la 20 mains. Mais en face, tu as une famille Mogo, bah métisse. Et Moujo Sazoyawan. Et tant que Salin Zimbouana, Naog Jazz, Azoyawan, c'est là où. Je n'ai pas grand chose. Parce que bah, maman Jackie, elle a accepté ça et puis. Oui, mon chose. En tout cas, bah, qualité artistique, né, comment tu juges? Comment? Artistiquement, comment tu les juges? Mon chose? Oui. Mais j'ai évité. Et puis, à l'époque, aux en a choix. Il n'y a pas chanteur. Hein. Vicky chante, Kwami chante, Moujos chante, Rouchero chante, Kale chante. Bon, puisque tu es Hollanda, mais on a le choix. On a le choix. Tu vois? Ben, on a habité. Et avantage, on a pu se dire, on a passé, tu as le choix. Tu vois, maintenant, on a beaucoup de pona en fait. Voilà, on a beaucoup de pona et pas de. Voilà. Bon, je ne sais pas, les lots, les jeunes, mais le choix peut aller les lots, hein? Mais peut-être les amis. Mingité par rapport à Bino. Ouais. Alors, tu as parlé toujours en bas. Qu'est-ce qui explique dans votre temps? Vous allez voir mon côté. Vous avez un test, vous avez un boyband, vous avez un boyband. Par rapport à les lots, vous avez un sous Mingité. Qu'est-ce qui explique que le génie est là-bas? Mais le génie est là, je pense que Zali, mon salaire n'y est pas toujours au salaire. Faut y aller volant. Tu crois le petit d'aujourd'hui? Oui, il faut me payer sa volonté y aller dans mon salaire. Oui, puis tant que tu y es,
namoni Christian, namoni ndenga a salon Moussa naye ba équipement naye nabi, mais il se débrouille pas mal parce qu'il faut le faire. Voilà. Donc Moussa la nyonso na mukili. Ce que lingi ango yeko lango ye bang malam. Quel que soit Moussa là, aux mécaniciens, aux menuisiers, aux nini. Donc, il y a que là en malin parce que Kobik ça y est plus tard. Donc, il y a que là en malin. Dans le binding, parce que ngai na âge, ngai lelo, on me dit toujours que ma voix n'a pas changé. Non, pas du tout. Voilà. Il y a moi dans le binding, on a. Ah ouais. Parce que na y est que là. Dans par exemple, il y a un malam. Vicky, comment il peut être un malam? Même le calé, il y a un malam. Toujours. Ouais. Tu vois? Donc, Moussa, il faut y aller. C'est ce qui fait que Tilelot, ça a été Moussa. Ngaï, personnellement, Tilelot, ça a été Moussa. Je suis fier de, ce que je, de mes choix que je fais. Et. Nasa fier que na âge on a zana mon leur na hemba. Kalamin t'es aussi ces missions hein. Na lingi osa mon commentaire quand je te parle de Taboulay. Rochereau. Tu dis quoi? Bah la même chose, c'est Rochereau bah ça va pilier ya rumba congolaise. Et un grand chanteur. Rochereau, mais ça va monument. Rochereau avec un monument, il y a rumba congolaise. Donc, non, il y a pas. J'ai beaucoup aimé les chanteurs, l'artiste. D'accord. J'ai beaucoup aimé. Mais je ne l'ai pas côtoyé. Ah, d'accord. Je l'ai pas côtoyé. Toi, tu étais un peu trop kidjaz. Hein? Pas seulement, mais. Pas seulement. Ben, à l'objet du Cambois choix, il faut faire ce choix. Voilà. Donc alors, Vie Bumba, bientôt, tu as assuré que Rumba Rokota na katia UNESCO, na lingi na tunayo lelo, puisque dans 3 mois, tu as l'occasion quand même de mon analyse, puisque la soirée c'est dans 15 jours, ensuite il y aura d'autres. Et là, on est yo au souhaité échanger au monaka ils ont la carte échanger ce qui rumba du dimension sous ton côté na katia UNESCO souhait na ko zani mais rumba ko zwa dimension sous ndenge ni po ko ta UNESCO. Donc c'est à dire que ko zwa sous propulsé et ko zwa sous campagne makasi rumba misala ya ngomoko mais tant au côté na katia UNESCO ba booster yo. Vous avez la qualité là déjà. Maintenant, on va plus suivre. On va aussi la source que Rumba est dans ma case. La belle UNESCO et aussi la qui bouge ça la macambe belle. Mais yo souhaite ni aux anango par rapport à entrer à UNESCO. Qu'est-ce que tu souhaiterais? Ben, souhaite monsieur Moussalagate. Moussalagaka. Mais tout ça, il est déjà mis une peine. Mais justement, il y a ce qui les autres alliés. Et côté na UNESCO c'est parce que to saliming. UNESCO ce qui le UNESCO a limi biso to za nakati c'est parce que Moussala au to sali d'ailleurs c'était le moment et za nakati UNESCO. Parce que c'est vrai to pour la biso il est quand même en retard mais l'essentiel que to za nakati. Parce que pourquoi ils ont la récompense? Donc, Moussala, Oyoto, Sala, Narumba, Yamou, Mbison, UNESCO, UNESCO, Andimibison. En tout cas. Alors, qu'est-ce qu'il faut changer? Ou qu'est-ce qu'il faut apporter? Ben, il faut. Yamou, Narubi, il faut travailler. Il faut tout ça, la gaga. Ndenge, tout ça, la gaga, ndenge, tout bandaki. Tout qu'on y a, tout ça, la gaga, ndenge, Rumba, Mouezali. En tout cas. Tout ça, il y a quelques raisons à vie. Il faut que les zones, que les atam balami balé par an,
Bonsoir, Abisson, je dis. Qu'est-ce que les Zonga? Et l'eau n'est pas Zonga. Ben, non, en fait, Moussa l'a eu au Zonga. Mais au Kanisagaming, pour nous, Moussa l'a eu au Zonga. Peut-être pas eu au Lingo Koma. Non, Moussa l'a eu au Zonga. Moussa l'a eu surtout ce que ça dit en haut. Niveau est matin. Ce que vous savez, c'est que vous avez un niveau qui est aucun degré. Mais ngai na musala musique na sali na sali comme moko ou na lobaki na koyo salate to yo kana biso na biso pa musicien to sala orchestre wana ko sala ngote parce que na sala ya ngote et puis na ko sala ngote. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu de déjà, je n'ai pas eu de souk. Donc, je suis là. Alors, je suis là. Je vais un peu te raconter l'histoire de Kekede. Pour dire vrai, tant on dombolo et bimi. 94-95. Voilà. 95-96, oui. Voilà. Ndombolo et bimi. Pour ndombolo et salama kamunangope. Dégâts. Et salama kamunangope. Mm-hmm. Alors. Ah, par exemple, na Porto ou na France, c'est un exemple que je donne. Bato ba yeba ki rumba ndenge zalaki. Ba professionnel à rumba, c'est-à-dire quand je parle de professionnel à rumba, ba maison lokola ba sonodisque par exemple. C'est pas des Congolais. Non. Mais bazaki ba professionnel ya rumba. Ya rumba. Ouais. Donc ba yeba ki la musique congolaise qui s'appelait la rumba. Maintenant, ba moni musique moko yé eza oyo bango bazali ko exploiter te. Pona bango eza rumba te. Ndombolo eza rumba te. Pona bango. Pour les professionnels de la musique. Dans le monde où la rumba est implantée, pour eux, c'est pas de la rumba. Bon, maintenant, ils se plaignent. Oui, puis, ce que Mundele a étudié le Cambo, a comme raté la solution. Bah, mais non. Il faut musique, on a un rumbo, bisoto, yébi. Oui, banda, on a tout ça, là, batoua, ndenge, tout ça, tout ça, la route, on a tout ça, musique, on a tout ça. Tout ce que nous distribuons dans le monde, il faut musique ou en maison. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais il y a quelqu'un ici, à Paris, qui connaît tous ces artistes-là. Parce qu'il a déjà fait des trucs et voilà, la personne, c'est Sila la production. Asalaba Fricando, Asalaba Omar Pené, ba Isundu, Aprodisa Bango, donc Ayebi, Siruka, musicien africain, donc Ayebi, Siruka, musicien congolais, parce qu'Aprodisa Bango peut ébélé. On va s'adresser à lui. Aluga, artiste, baza capable, bazong ça. Rumba. D'où Kekele. Voilà. Et si moi personnellement, je suis venu sur Nazagina Kekele, parce que Zalaki Moutou Moussousou, un producteur, Moutou, a initié qui idée. Voilà. Donc, et puis un producteur qui n'est pas congolais.
mais qui initie quelque chose de Congo, de la rumba congolaise. C'est grandiose. D'accord. Donc, Bissoso, tu souhaitais tout le monde à roue, tout le monde à quelqu'un à deux ou trois fois par an. Il défait où dans la Bissoba promoteur, Bissoba opérateur culturel. Mais normalement. Normalement, ce n'est pas Bissoto Yako. Non, vous nous proposez quelque chose, de se mettre d'accord, Namakambo et Toroloba. Et puis, on le fait. Merci. Bon, mais par exemple, n'a pas un exemple de quoi, Bakassaf, Tangouzara qui a fait des variés à Koufa. À ta deux concerts par an et zéro salam. Oui, oui. Oui, parce que ça ou bien ça va. Donc, il y a un niveau, il y a un producteur, il y a scène. Ça a déjà, comme on a, il y a une facilité. En tout cas. Alors, la dernière question, la plus importante, c'est Bissotozo rêver. Tu m'as dit tout à l'heure, il faut voir grand la vie. Dans la vie, non? C'est ça l'anthologie de la musique congolaise d'un Mobutu Sarr en 1977 pour marquer notre entrée dans l'UNESCO. C'est un grand artiste pour interpréter les 40 meilleures ou 50 meilleures chansons de la rumba à l'occasion de l'entrée dans la catalyste et patrimoine immatériel à l'UNESCO. Est-ce que tu as ça là et l'autre mon côté pour marquer en gros, par exemple, en faisant l'anthropologie de la musique congolaise top 2? Oui, mais question Mokonatuna. Est-ce que Kokota et Rumba congolaise na UNESCO? Il y a un problème, il y a État ou bien il y a un problème en artiste. Il y a Bissotou. Il y a Bartiste, il y a État d'abord, il y a Bartiste et Bangoumoko. Puis ils ont été trop faits dans Bango. L'État parce que c'est lui qui gère. Mais le mal, il y a un peu de temps. Et puis c'est qui achète. Donc ils ont été comme Moutoutou. Voilà. Mais en premier lieu, c'est d'abord le musicien. Est-ce que. Pour nous offrir cadeau, on a. Et puis Bissoba, opérateur économique, mais, on peut intéresser l'État. Opérateur culturel, pardon. Tout à l'heure, au lobby, tant que Salman Kéti Mbosso. 77. Non, 77, c'était le président Mobutu qui Mobutu, avait initié personnellement, oui. Le projet. C'est pourquoi on a posé la question, est-ce que les affaires, il y a personnel, les musiciens, ou bien à l'État? Il faut dans l'État. Voilà, maintenant intéresser l'État. Il faut l'État. Il faut l'intéresser l'État. Et puis, Bissotozawana, comme ma prestataire et à service. Mais il faut l'État, ça. D'accord. Merci, Vier. Alors, dernier mot, la Roloba. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs pendant les 30? Qu'est-ce qu'on peut entendre de Bumba Mansa? Ton bandit est à Poyasuka pour la campagne. Il y a Koko Tarimson à UNESCO. Pour la soirée à les 30, est-ce que vous aurez peut-être un mot à dire aux omélomanes? Bon, déjà, félicitations déjà pour la Bino. Nandengue, vous allez se battre pour Nango. C'est vrai que Zakaka. C'est vrai que Bissot a participé, mais Bino P, vous en a. Et le méloman, bolinga kam rumba, bolingi yango, tisiko bobina yango, na binope ba méloman, pour soutenir le problème de Zanango ya UNESCO, parce que sa fierté a besoin surtout, ndengo lek nanga ipoa auto loba. Donc, boya, le 30 octobre. Oui. Et beau contribuer, beau participer dans ma concert Roberta na cabaret sauvage. OK. Merci beaucoup. C'est merci. Moi.
Voilà, amis téléspectateurs. Voilà, amis téléspectateurs. Voilà, le premier de la série, c'était Bumba Massa. Il nous a parlé de la rumba et il nous a parlé de sa vision par rapport à ce que la rumba doit et surtout faire. Ce qu'on retient de lui ce soir, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui a toujours marché en RDC, c'est la rumba. La rumba n'a jamais failli, la rumba n'a jamais trahi, elle est toujours là, sans faute, sans signe de faiblesse. C'est-à-dire que demain, le bonheur de la RDC viendra peut-être de la rumba, viendra peut-être de notre musique. Qu'il sait, il suffit de s'organiser pour faire de la rumba l'une des deux richesses, plus que le diamant, plus que le cuivre, plus que tous les autres, puisque la rumba est toujours là. La rumba est toujours là et surtout nous le produisons. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Bonsoir. María Teresa, María Teresa, María Teresa.